Aujourd'hui, on est en train de bien avancer sur le montage de l'exposition Jardin de voyageurs qui va commencer le 4 juillet et qui va s'étaler jusqu'aux Journées du patrimoine. Alors, au départ, c'était une commande de la ville de Cherbourg. Et par rapport à Presqu'île en fleurs, le service patrimoine avait eu l'idée de proposer une exposition qui se rattache un petit peu sur le festival et pour amener un regard un petit peu décalé sur le thème. Et donc le thème aurait dû être le jardin des voyageurs. Donc moi, plutôt que le jardin des voyageurs, j'ai voulu parler des plantes qui voyagent, sans forcément recourir à l'homme. Les graines facilement voyagent d'un pays à l'autre, le pollen, etc. En m'enseignant un petit peu sur l'histoire de la botanique, je me suis aperçu que l'introduction de certaines espèces était quand même beaucoup due à l'innovation dans les moyens de locomotion. Enfin, c'est au moment où on commence à faire des bateaux qui permettent de faire des grandes distances qu'on va ramener les pommes de terre, par exemple. Et donc, quelque part, l'histoire des plantes elle est liée à l'histoire de la technique et de la mobilité, quoi. Les installations que je présente dans le parc, aux parties liées à ce thème de la mobilité, c'est des espèces de moyens de transport pour plantes. Donc, derrière nous, par exemple, il y a un radeau. Donc, c'est des plantes flottantes. Donc, l'installation s'appelle le radeau de la biodiversité, parce que, bien évidemment, la biodiversité est en fâcheuse posture. Et donc, tout l'été, il y a ces plantes qui vont dériver comme ça sur le plan d'eau et amener le public à s'interroger sur leur avenir et la notion de droit d'asile botanique. Alors dans cette salle en particulier, nous accueillons des installations de Tony Durand que vous pouvez retrouver à l'extérieur, mais nous avons toute une partie qui est consacrée à la géologie grâce à l'association de Fréville qui vient apporter un petit peu la partie scientifique de l'exposition et qui vient nous parler des sols et des plantes qui sont venues depuis très longtemps sur nos terres en exposant un certain nombre de pièces. À bientôt sur tevie.tv.